reborn. Dans les esprits, ça existe. Sérieux? Prochaine fois, c'est comment? Ha! Ce que je viens de voir et que je vais vous montrer là. Ouais. N'y croyez pas. Je pense que c'est du fake. Écoutez-moi bien. Voici l'histoire. Tibetanchou est mort. Nous tous sommes au courant. Les gens ne font que parler. Même après cette vidéo, nous sommes à venir où on voit une personne accusée de l'avoir violée. Quoi, sérieux? Pendant que nous sommes allés chercher à faire cette vidéo, parce que nous sommes tombés sur quoi, une autre vidéo qui fait le buzz en ce moment. On dit quand c'est dimanche. Ah, on dit qu'aujourd'hui dimanche là, il y a un ange de Tibetanchou qui est entré dans son église et les gens nous montrent le footage. Genre, la vidéo qui a été filmée par quelqu'un. Et c'est là. Vous allez voir de vos propres yeux. Si, mais qui a fait ce montage là-haut? En tout cas, moi je n'y crois pas. Hein? Moi je n'y crois pas. Déjà, vous le dites direct. Je n'y crois pas. Mais quand il faut qu'on vous montre ça, c'est vrai. Attendez, je vais vous montrer ça un peu tout de suite. Alors, prenez votre natte, assez-vous. Et si vous savez que vous avez peur du diable, des démons, des anges et même des dieux, s'il vous plaît. Regardez la vidéo suivante. Parce que ça, c'est bon esprit. Qu'est-ce qui est bon esprit? Regardez. Un truc de ouf, c'est pas ici à l'école. Regardez bien ça. Regardez bien ça. Regardez. Il y a là des types de joueurs à Paris aujourd'hui. Hein? Est-ce qu'il est ici? Il est ici ou quoi? Pourquoi l'école se détient? Quoi, sérieux? Attendez. Mais je suis fort. Regardez ça. Est-ce que vous voyez ça? Voit-il? Il est ici. Regardez, regardez comme il est. On dit que c'est l'ange de Tibetanchou. Il est apparu aujourd'hui à l'église. Il est venu prier avec vous. Oh. Tchè. Ouais, les gens veulent nous dire que Tibetanchou venait de Dieu, quoi. Et que c'était un vrai prophète. N'est-ce pas? Il veut nous convaincre de cela. Ha! Maintenant, regardez bien. Boum! Regardez ça. Vous voyez, non? Là, l'église est derrière et on voit la circulation, les gens, les véhicules qui passent à gauche et à droite, on ne sait même pas où. Ha! Et, pendant que nous sommes en train de regarder, regardez juste là, ici, là. Juste là. Vous allez voir un mouvement, quelque chose de bizarre, quelque chose de très bien qui va se passer là. Et cette chose est en blanc. Boum, regardez ça. Ça là, ça vient d'où? Regardez, revenons un peu en arrière. Bye guys. Regardez ici. La chose a commencé à bouger d'ici. Hein. D'ici là. Là. Maintenant, regardez, cette chose va bouger. Regardez, cette chose a bougé. Et elle est ici en train de bouger. Vous voyez, cette chose bouge en bas. Vous voyez donc, la chose en blanc, la silhouette blanche qui est ici, de toute façon, là. Comme un fantôme là. Et cette chose là rentre dans l'église. Hein. Rentre dans l'église. Regardez ça très bien. Là, ils ont monté la partie noire, la partie où on voit seulement la chose. Regardez bien. Cette chose là est en train de marcher comme ça. Où elle s'est déplacée. Ouais non. Vous voyez ça? Et cette chose va entrer dans la synagogue de Tibetanchou. Vous voyez? Cette chose se déplace même ici. On peut voir la chose. Vous voyez? La chose est ici. On voit encore son vêtement blanc. Et les gens se disent que c'est Tibetanchou. Les gens se disent que c'est l'ange de Tibetanchou. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Je vous laisse bien regarder la vidéo. Regardez de vous-même. Regardez vraiment bien. Bye guys.
portrait de fantôme. Maintenant, pourquoi l'ange là aussi ressemble à ce qu'on a déjà vu? On a déjà vu où? Aïe, mais il ressemble à ce qu'on a déjà vu, vraiment. Il ressemble tout à ce qu'on a déjà vu. Moi, vous n'avez jamais vu ça. Bon, regardez à l'écran. Les photos qui s'habillent tout en robe blanche. Pourquoi sa robe n'était pas noire? Ou bien rouge, ou bien violet? Ou bien toutes les photos sont blancs, quoi. Et les gens disent que c'est un ange. C'est un ange et puis on ne voit pas ses ailes. Où sont passées ses ailes? Et pourquoi ne brille-t-il pas? Quel intérêt un ange de Dieu aura-t-il à venir se présenter comme ça? Pourquoi Dieu va-t-il envoyer son ange juste comme ça? On dit les anges de Dieu campent autour de ceux qui craignent Dieu. Et ça, c'est une chose qui se passe spirituellement. Si un ange de Dieu doit venir physiquement vous voir, cet ange de Dieu ne va pas venir avec des ailes physiquement. Cet ange de Dieu va venir comme moi ici à vous parler. Ouais, je suis un ange. Je suis un ange. Mais là, vous ne voyez pas, vous ne savez pas d'abord. Vous ne savez pas pour l'instant que je suis un ange. Et puis il rit, il a de grosses dents. Un ange a de grosses dents. Ne l'invitez pas chez vous à midi. C'est pas de la blague. C'est pas de la blague. En tout cas, mes frères et sœurs, qu'on ne vous trompe pas. Un ange ne va jamais venir comme ça avec un truc blanc comme ça, vous allez le voir. Non, c'est pas possible. Ça là, ça nous rappelle les films déjà. Si Dieu doit venir vous visiter, il va vous dire, prenez la Bible, lisez la Bible. S'il doit vraiment toucher quelqu'un pour venir vous aider, ou bien, non. Ou bien, lui va prendre l'apparence humaine pour venir vers vous. Oui, il peut prendre l'apparence humaine. Mais il ne va pas prendre l'apparence de quelqu'un qui est blanc. Hein? Ça, je vous le dis. Il va prendre l'apparence de quelqu'un mais qui ressemble à un fou. Oui. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a rien pour vous attirer. Il ne va pas mettre, il va pas mettre le parfum sur lui. Hein. Si Dieu doit venir vous visiter, c'est quoi? Ça est où? Il ne faut pas mettre le parfum sur lui. Il ne va pas s'habiller de façon très jolie. Même Jésus-Christ, il n'avait rien pour attirer les gars déjà. Alors que lui, il était plus qu'un ange, non. Si Yeshua est mort, les gens veulent tout faire pour qu'on sache que sa mort là vient de Dieu. Donc ils sont en train de faire tous les complots possibles, comme ils ont l'habitude de faire, pour nous faire croire que le gars, sa mort là, c'est une mort qui vient de Dieu, elle a été enlevée par les anges de Dieu. Mes frères et sœurs, je ne suis pas contre sa mort. Je ne suis pas contre lui. Mais il faut qu'on soit réaliste. Là où les gens sont en train de faire des montages comme ça pour nous montrer la silhouette des choses qui n'existent pas, il faut faire attention. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Moi, je vous dis direct que ça, c'est du fake. Ouais, regardez. Ça, c'est du faux. Point. Vous avez votre pensée. Vous avez ce que vous pensez. Ce que vous pensez, c'est que vous avez votre propre idée. Mais moi, je vous dis que moi, ouais, moi je dis que c'est du faux. Voilà. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez. Et vous donnez rendez-vous pour la prochaine vidéo. Il y a une femme qui a des choses à nous dire ici, le cas même. Depuis que j'ai regardé la vidéo, jusqu'à dire ah, tiens, elle est joie, hein. Bon, attendez la prochaine vidéo tout de suite. Abonnez-vous si tu n'as pas encore fait et soyez prêts. C'est parti. Waouh, c'était extraordinaire. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon pavillon bancaire, la description se trouve en lien. Vous pouvez cliquer là-dessus. Télécharger une note où se trouve toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse vos frères et sœurs, prenez soin de vous et soyez prêts pour la prochaine vidéo. C'est parti.